Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté journal là sous chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nous comptons pour nous rentrer la caille pour nous porter pour principales informations qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. C'est mode politique qui a mené dans le pays d'Haïti qui la cause gros bouleverse qui gagne dans l'environnement sous territoire national là, citoyen et citoyen, yo doué souke koyo pour défendre la vie yo pour demain, c'est disons groupe action francophone pour environnement yo plus connaît sous nos gaffes. Vendredi 3 décembre 2021, plusieurs moun levé campé dans Port-au-Prince pour exiger la gué yon maman petite bandi à exam kidnappé la nuit jeudi 2 décembre 2021. Même à soi jeudi 2 décembre 2021, l'autre groupe bandi à exam kidnappé dans Santo 17, Widna Senatus, madame directeur l'école Jolie Garden, dans quoi des bouquets. Bandi exam kidnappé madame directeur a tout pris la kaili. N'a rappelé, t'es un gros mouvement protestation qui était fait pour une deuxième fois vendredi 3 décembre 2021 pour libérer magistrat adjoint Kwade Boukéen Jean-Jonas Saint-Just ensemble avec petit garçon li bandi exam kidnappé depuis mardi 30 novembre 2021 pour des te mette gros camion travers sous route là une situation qui était la cause gros blocus dans zone bon repos. 3 décembre, c'est journée internationale pour moun qui gagne handicap. Dans l'occasion, plusieurs moun qui gagne handicap, qui étaient victimes de violence, gagne exam, dans mois juin 2021, tant mais une série mouvement dans Port-au-Prince pour exiger l'État ba yo bon gens accompagnement, surtout pour yo gagne bon gens logement social, priorité. Dans l'occasion, 3 décembre, organisation Impact mandé toute société à encourager participation moun qui gagne handicap yo dans toute sa cafette, des temps yo va éviter mettre yo sous côté. Dans l'occasion ça, organisation Impact dans cadre d'un projet qui relie une communauté pour nous toutes qui joignent un bourrade de l'agent, agence américaine pour développement international USAID, avec support technique bureau secrétaire d'État pour inclusion monde handicapé yo, dit encourager acteurs yo dans société a pour yo travail pour inclusion catégorie ça dans pays d'Haïti. Dans l'idée pour faire promotion égalité droit pour tout monde qui gagne handicap yo, vive yon façon indépendant et puis autonome, Jean article 19 convention Nations Unies qui concerne droit monde handicapé yo, Impact dit li engagé pour li contribuer nan faire prévention contre ségrégation et isolement moun ki handicapé yo, nan aide yo faire propre choix yo et puis nan ba yo accès à tout espace mais tout service qui disponible nan communauté yo. Tout si moun nan pays d'Haïti gen droit apprendre nan yon environnement ki pa séparé si la ki pa gen handicap ak si la ki gen handicap, c'est disons nouveau ministre de facto éducation nationale la Nesmi Maniga. Nan yon publication li fait sous compte Twitter li, nan occasion li fait konnen pi loin, tout si moun mérite bon environnement sécurité pour apprendre sans discrimination et puis sans violence. Nan moment kounya yon décision augmenté prix gaz lan sou marché national la, Jean équipe de facto yo tavle fè sa, ap gen gros conséquences sou pi fò moun nan population pays d'Haïti a ki nan yon situation la misère red mare, se avertissement spécialiste nan économie docteur Edi Labossière. Nan sa sa, économiste lan invite autorité yo pren disposition pour yo réduire dépenses l'état, réduire corruption contrebande, yon façon pour l'état capable gagner moyen pour fonctionner sans yo pas obligé augmenter prix gaz lan. Nous invite au côté économiste Edi Labossière pour plus de détails. Si grand augmentation, eh bien, si dans cela est évident, parce que parmi les pétroles, là, son produit est transversal, il y a une incidence sur l'ensemble de l'économie, là, il y a une incidence microéconomique et macroéconomique, et là, il y a une incidence sociale d'eau. Pour moi, une première incidence qui peut augmenter, un peu monde qui a produit actuellement, encore monde qui a fait commerce avec un pétrole est subventionné, se retire subvention, mais le coût de production sera plus haut. Et si le coût de production est plus haut, du point de vue microéconomique, mais ça va le passer, eh bien, pas bien l'économie, c'est le dernier consommateur qui paie. Ce n'est pas propriété entreprise, mais entreprise propriété commerce, ça va le payer. Immédiatement, quand on augmente le prix à la pompe, il va le payer plus, il a bien pris un facteur de production pour augmenter. Et puis, pour chaque acteur de production va augmenter, et mes prix, en gros et en détail, va augmenter. Donc, la première conséquence sur étirer et subvention, ça, c'est la vie chère, avec une culture, encore mon nom, elle dit que le prix va augmenter. La situation économique est plus difficile. Donc, c'est la première incidence, c'est qu'à deux, de point de vue microéconomie, mais de point de vue microéconomie, l'ordre de subvention, et bien, écaminette, tu vois. Je vois qu'il y a des camionnettes dans la rue et tout le monde, il y a une pomme gaz, après la gasoline, il va acheter la gasoline plus cher. Ça veut dire, en un thème clair, eh bien, tout le transport va augmenter. Donc, si le transport augmente, ou déjà qu'on est,
que mon paquet de biens et services en économie pour offrir, faut utiliser transport, donc tout transport augmenté, donc prix de biens va augmenter. Donc, ainsi, pour avoir un paquet d'incidences du point de vue micro et macroéconomique, du point de vue macroéconomique, oui, les recettes de l'État vont augmenter. Et avec augmentation de recettes de l'État, parce que l'État n'a pas subventionné la prépuce comme l'encaisse, donc avec augmentation de recettes de l'État, l'État, en théorie, est obligé de faire plus de bagages. Donc, l'État va être plus comme. Donc, d'un côté, donc c'est sûr, la ville n'a pas bien pour faire subvention à l'argent après l'enquête. Mais ça, ça va faire avec l'argent. Et puis, le problème avec l'État, l'État a un budget, et à peu près 25% dans l'argent budget, ça, c'est du gaspillage. Donc, est-ce que l'État va servir avec l'argent, ça a bon espoir? Est-ce que l'État va profiter pour résoudre le problème d'éducation, le problème de santé, le problème de transport, le problème énergétique? Vous comprenez? Donc, et pour avoir courant en ministre énergétique, une fois pour toutes, pour avoir courant dans l'économie avec qui sort service, avec produits pétroliers, et bien même l'État a tout, pour avoir gagné des coûts de production plus élevés, parce qu'il n'a pas subventionné les produits. Vous comprenez? Et réaction sociale, parce qu'on a échangé que sous privé et sous journal, il y a une tentative qui fait plus augmenter le prix et prix produits pétroliers, la population pour la rue. Ah oui, ça, c'est une conséquence. Donc, en fait, pour prévoir que la population va prendre contact avec Gado, c'est pas bien. Après, ça, c'est une population extrêmement pauvre. De plus en plus, on est plus pauvre dans le pays. Donc, imaginez, on est pauvre, il va payer le transport plus cher, il va payer un certain nombre de produits de première nécessité plus cher. Donc, on ça, on va prévoir ça, le tabac, comme mouvement. Et en désespoir de cause, il va même remettre tout ça, le mettre de la faim qui est fait. Du coup, on a les 2008. Vous comprenez? Donc, conséquence vraiment grave, bah, qui avantage finalement que le gouvernement va tirer, sauf que fait économie. Pour le bail moins de subventions. Et là encore, ça va le faire avec l'agence A. Tout pour l'agence A, c'est payé, on va payer deuxième résidence en raison de 5 000 dollars américains pour employer l'État. Pour l'agence A, c'est gros machine, on va l'acheter par un nègre. Je pense que ça ne peut pas le coup. Vous comprenez? Donc, globalement, élimination de subventions, en fait, faut à fait l'environnement là de vraiment sain. C'est-à-dire qu'il faut à fait le travail beaucoup plus en profondeur avant même que le gouvernement t'a envisagé élimination de subventions. Donc, travail en profondeur, ça, c'est qui ça a été caillé comme ça? Non, c'est ça, voilà, ma duo. Et depuis plus de 10 ans, parce que ce qu'ils sont sur le même là, c'est qu'un journaliste qui est en place, ou pas comme même pour les journalistes de vos invités, c'est vrai. C'est-à-dire que son pays n'est pas fait pour les mêmes. Ce sont les mêmes problématiques qui reviennent et nous ne va jamais qu'à résoudre parce que nous ne va jamais des gouvernements sérieux. Nous ne va jamais des gouvernements, ces populations qui mettent là. Le plus souvent, c'est des nègres qui viennent à la faveur d'un certain mouvement que les États-Unis mettent au pouvoir. Donc, ils ne vont pas résoudre le problème pays. Hein? Donc, pour répondre à la question, il y a au moins 4 conditions que tu as remplies avant même que le gouvernement t'a envisagé augmentation du prix des produits pétroliers. Pour le gouvernement, t'as fait, c'est un petit peu intelligent. Mais t'as essayé d'abord faire un certain nombre de travail là, au niveau du budget. Le gouvernement a assaini le budget, retiré dans le budget les mauvaises dépenses. L'argent, c'est le gouvernement de la péninsule éliminer les subventions, hein? Mais c'est parce que le gouvernement n'a pas gagné assez d'argent, c'est l'argent à chercher. Et mes propositions que je vais faire, c'est des propositions qui permettent l'argent, le gouvernement à chercher l'argent, tant qu'il peut arriver dans la problématique d'augmentation des produits pétroliers. C'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement n'a pas gagné suffisamment de revenus pour faire face à ses responsabilités, pour chercher des sources de revenus. Et bien, encore une fois, le gouvernement a trompé le chemin, peut-être par manque de vision, par manque d'intelligence, ou par manque de compréhension de ce qu'est l'État, ou encore avec une absence de la composante mémoire de l'État. Ce sont ceux qui viennent dans l'État. Ils vont jamais prendre l'État bien, au point de vue économique, au point de vue social. Et je dis à ces nègres-là qui ont tête pour voir. Ça pourrait raconter n'importe quelle histoire. Donc, premier bail pour le gouvernement, t'as fait, c'est son gouvernement sérieux. Mais il faut commencer à éliminer les mauvaises dépenses du budget. Un paquet de mauvaises dépenses. Un paquet de nègres qui parlent en délégation, qui parlent représenter les filiales étrangères. Je ne sais pas, un nègre qui va chercher. Nègre qui va avoir un dossier dans la main pour aller défendre Haïti. Le plus souvent, dans le meilleur des cas, son discours n'est pas venu par les Français, blanc, blanc, par les Français. Son bagage pour venir, vous dites, mais ça va faire. Donc, nègre qui parti à représenter les filiales, il va rentrer dans un. On se suspend avec ça. On est que les voix, représentant ton pays, il faut ton nom, bagaille. Et là, on a rien.
Donc l'État dépense son paquet de l'argent pour nèg ça yo, nèg yo voyager en first class. Comprendre? Donc il faut éliminer dans le budget les mauvaises dépenses. Ben on nèg une seconde résidence en raison de 5 millions de dollars américains pour moi, mes amis, ça sont crimes économiques que j'ai. Donc soit dans le budget de la République, il y a un paquet de crimes économiques qui droit ben un petit vagabond une machine de 100 000 dollars américains en tout cas. 100 000 dollars, c'est un apprenti pour la République. Quel est le coût d'opportunité de ces 100 000 dollars pour que tu ne sois pas dans une machine de 30 000 dollars pour ces 100 000 dollars choisis alors qu'il y a un problème dans l'éducation, il y a un problème dans la santé, il y a un hôpital dans le pays. Vous comprenez? Donc, premier bagage que le gouvernement a fait, avant de même penser à augmenter ou à éliminer les subventions, il faut commencer à entretenir une logique de rationalisation des choix budgétaires. Éliminer dans le budget les mauvaises dépenses. C'est la première étape. Moins de 4 étapes. Deuxième étape là, bon, malheureusement, moun ki pou rive sou pouvoir en pays d'Haïti pa chanm rive. Faut ta gagne moun qualifié compétent pour lancer la réforme fiscale. La réforme fiscale, quand on va éliminer contrebande de la frontière, pas bien que bon étude qui fait en 2017 que nous, le long de la frontière haïtienne-dominicaine, l'État haïtien perdit 450 millions de dollars américains. La réforme fiscale a conduit à élimination toute bagaille sa yo, contrebande. Quand on demande la douane, l'État haïtien perd autonomie, perd autorité sur la douane, les pauvres. Ça va passer dans la douane, c'est pas seulement ZAM qui va passer dans la douane. L'État haïtien va maîtriser de la douane, des douanes, il va perdre un paquet de l'argent. Donc, la réforme fiscale va permettre, par contre, si c'est Sidonia que nous avons mis en place, ou bien d'autres stratégies que notre secteur connaît, de toute façon, pour l'État optimiser les recettes douanières. L'État fait la réforme fiscale pour éliminer la contrebande. Pour éliminer l'évasion fiscale, pour éliminer la fraude fiscale, pour éliminer les gens qui sont en rébellion fiscale. Je dis à mon paquet, il y a 5 ans en rébellion fiscale. Il y a une raison, il n'y a pas payé un peu locatif. Il n'y a pas le dépenser l'argent dans l'État, ça n'a pas de service qui est bandit à kidnapper à tout. Donc, c'est ça, ils font fiscale à ta barou. En même temps, tout ça permet l'État d'entrer. Ce n'est pas un tour plus pour l'optimisation fiscale. C'est l'État qui a pris l'optimisation fiscale. De telle sorte que l'État a rentré finalement. Parce que chaque fois que DG la douane est pour rentrer 100 gouttes, mais 40 gouttes à 50 gouttes de rentrée. Différence là, ça côté lié dans la poche. Donc, il y a deux papiers, il y a un contrebande, il y a une fraude fiscale, une évasion fiscale. Donc, il faut faire ça. Deuxièmement, espérez qu'on attendait. Espérez qu'on dit qu'on attendait tout. Troisième étape là, c'est le gouvernement a mis en place un filon de protection sociale pour pauvres. Pour pouvoir pour aider pour papa ça qui va être coutume ma chérie sous ma terre côté vagabond femme sous la dent c'est voler à voler contre l'État mais là coutume ma chérie il devons l'autre encore c'était une façon que de détourner comme au Caraïbe l'argent du trésor et pas petite bagarre ça non pour ça il y a monde qui compte ça bien fait le cas du moment donc tu mets en place un filet de protection sociale aux gens défavorisés dans ce c'est ça seulement, après qu'on finisse puis trois conditions, ça y est. Réforme budgétaire, élimination des mauvaises dépenses, réforme fiscale, combat contre bande, évasion fiscale, fraude fiscale, etc. Mettre en place une structure qui peut aider les gens qui peuvent, comme les filets de protection sociale. C'est ça seulement, on va commencer à penser à introduire. C'était économiste Eddie Laboussière. En dimanche 19 décembre 2021, pour arriver au commencement décembre 2021, autorité américaine pimpé vini dans le pays d'Haïti, plus passé 12 000 femmes et garçons migrants sortis sous frontière pays États-Unis avec Mexique, d'après un ramassé service jésuite pour migrants au SJM. Groupe Cap appuyé à patrie avec réfugiés, plus qu'on est sous nos gars, fait qu'on est, li continue faire sensibilisation dans la communauté qui sous frontière yo, sous violence, qu'a fait, sous femme actifi, autorité république dominicaine yo, voyez vini dans le pays d'Haïti. Gars organisé sensibilisation ça, dans le cadre de commémoration journée nationale pour éliminer violence qu'a fait sous femme yo, et puis fait qu'on est dans le cadre de célébration ça, li organisé une série d'activités dans zone frontalière yo, sous thème, ensemble, en lutte, pour bannir violence qu'a fait sous femme actifi. À travers activité ça, gardi li vle attirer attention autorité locale yo nan communauté frontalier yo sous violation droit moun femme actifi yo sibi en particulier migrant république dominicaine rapatrié yo.
commencement mois décembre 2021, Académie française Wete Chapoul Douvan Pliméanc haïtienne ak haïtien Emily Poufette, Franck Etienne ak Louis-Philippe d'Alembert. Académie française bay écrivain haïtienne Emily Poufette prix langue ak littérature française nan siège li nan Paris jeudi 2 décembre 2021. Auteur haïtien Franck Etienne ak Louis-Philippe d'Alembert recevoir tout respectivement grand prix francophone ak prix poésie François Copé. Poète à commencer Emily Poufette, te dirige Bureau haïtien droit de l'auteur BHDA. Li écrit en tout 13 livres parmi yo Village de Dieu. Li était lauréate dans l'année 2019 prix littérature Caraïbes Association écrivain langue française pour Testament Solitudio Tebali. Li était dirige Direction nationale livre DNL Bibliothèque nationale d'Haïti et puis page Kilti quotidien Le Nouveliste. Yon nan pi ansyen kotidyen francophone nan Ameriklan. Emily Poufette te fè étude li nan lèt modern ak dwa epi nan communication nan Jackson State University. Li te enseigne epi te diplomate kom attaché ambassade Haïti nan Suisse nan Genève. Commission nationale marché public ki wòl li nan kontra l'état ap siyen yo se yon nan eleman responsable commission sa insisté an pil sou li nan okasyon 17 l'année 3 décembre 2004 3 décembre 2021 depi yo mete le campé. Premier ministre de facto Dr Ariel Henry participe vendredi 3 décembre 2021 nan célébration 17e anniversaire création commission nationale marché public yo nan pays d'Haïti, yon institution ki an chargé pou batay kontre corruption epi nan sauvegarde intérêt l'état yo. Nan okasyon diskou li premier ministre de facto wa fè konnen présence li nan cérémonie, participer nan stratégie li pour légitimer et puis renforcer institution CNMP yo qui gen gros responsabilité nan fè prévention et puis combattre corruption nan passation marché public yo. Pi loin, li rappelé nan l'idée pour respecter intérêt l'état, marché public yo doit respecter quatre principes: bonne gouvernance qui se yon libre accès à commandant public la, égalité nan traitement candidat yo, nan transparence procédure yo, nan respect éthique et puis nan efficacité dépenses publiques. En écouter Premier ministre Ariel Henry pour plus de détails. Ma présence à cette cérémonie ce matin participe d'une stratégie de légitimation et de renforcement de cette institution qui assume la lourde et parfois dangereuse responsabilité de prévenir et de combattre la corruption de la passation des marchés. Dès mon arrivée à la tête du gouvernement, j'ai compris et affirmé qu'il n'était pas très sain de gérer les affaires de l'État sans avoir rendu compte à qui que ce soit. Heureusement, la CNMP qui intervient en amont dans le processus d'attribution des marchés importants de l'administration publique est là pour veiller aux craintes et s'assurer du respect des lois et des règlements régissant la matière. C'est justement de l'exercice de ce pouvoir que je voudrais vous parler. Le renforcement institutionnel, devrais-je dire, la refondation institutionnelle passe par le fait que chaque entité publique, chaque institution soit libre d'accomplir la mission qui est la sienne sans interférence aucune. Pas d'interférence de la part du pouvoir politique, mais pas d'interférence non plus de la part du secteur privé et des co-contractants de l'État. Il importe que la CNMP continue de résister aux pressions d'où qu'elles viennent et que la CNMP agissent toujours de manière indépendante dans les multiples décisions qu'elle est amenée à prendre. Pour la préservation des intérêts de l'État, il est essentiel que les marchés publics soient attribués en suivant les quatre grands principes de bonne gouvernance qui sont le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, le respect de l'éthique et l'efficacité des dépenses publiques. Mes amis, Pays Noir a traversé une situation économique
financière terriblement difficile. Citoyens ont attendu en pile dans main l'État. Et c'est de voir l'État pour répondre à ça et à attendre. Mais, taxe la douane avec impôt de GI ramassé, pas qu'à permettre nous faire face à tout problème l'État a pour le résoudre. Contrebande à corruption fait l'État perdre en pile l'argent. Qui t'a qu'à servir pour payer le peuple à service. En plus de ça, l'État obligé à subventionner gaz et électricité. C'est pour peut-être ça, World CNMPA important en pile pour assurer que chaque grain adoquin, chaque goutte l'État a dépensé, pas fait autre couche ou bien pour servir intérêt à et bien utilisé pour servir intérêt peuple haïtien. Ce que je viens de dire ne doit pas rester un vœu pieux ou de simples mots. Mais cela doit se traduire dans les faits parce que c'est inscrit dans la mission assignée à la CNMP. Mesdames, Messieurs, toute entité administrative qui ne fait pas exactement ce que lui imposent les lois de la République passe à côté de sa mission. C'est l'occasion pour moi de féliciter toute l'équipe de la CNMP qui fait son travail et le fait savoir en publiant annuellement un rapport de ses réalisations. C'est une forme de reddition des comptes. J'encourage toutes les institutions publiques à suivre cet exemple, car l'administration publique a un devoir de transparence vis-à-vis de la population. L'exercice du pouvoir en Haïti ne se fait pas sans heurts, quel que soit le secteur. Partout se dressent des obstacles, des sollicitations indécentes, des tentatives de corruption. Dans un domaine où les enjeux sont de taille, où des contrats onéreux sont passés entre l'État et des pauvres personnes morales de droit privé, les tentations de détournement et de malversation sont omniprésentes. Heureusement, notre pays compte des institutions de contrôle comme la CNMP, qui n'a pas démérité et joue sa partition avec efficacité et rigueur. Guidé par le sens du service public, le haut fonctionnaire ne doit faire aucune dérogation à ce principe sacro-saint, sauvegarder les intérêts de l'État. En agissant en son nom, au nom de l'État, nous ne devons être mus par aucun intérêt autre que le sien. C'est le point de départ de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, j'ai bien pesé mes mots en qualifiant de dangereuse la mission qui est confiée à la CNMP. Le premier président de cette institution, le regretté Robert Marcello, dont tout le monde est unanime à reconnaître la rectitude, l'honnêteté et le courage, a été lâchement assassiné. Après toutes ces années, ces assassins n'ont pas été identifiés ni condamnés pour ce crime crapuleux. Les membres de sa famille attendent encore que justice lui soit faite. Je félicite toute la commission et de façon particulière son coordonnateur, l'ingénieur Florian Jean-Marie, pour avoir pensé à distinguer une commission ministérielle des marchés publics et une commission spécialisée des marchés publics, ainsi que des personnalités qui ont contribué à l'avancement du système national de passation et de gestion des marchés publics.
de telles initiatives sont à encourager. Ceci permet de montrer aux autorités contractantes que la CNMP, loin de vouloir les gêner, sait apprécier la qualité de leur travail. Si elle se montre exigeante, c'est uniquement afin de s'assurer que tout se passe dans les règles de l'art. Car, s'agissant de deniers publics, chaque centime compte. Il importe que ce soit toujours l'offre la mieux disante qui l'emporte. Je tiens à saluer également la CNMP pour le travail de promotion et de vulgarisation des règles de passation des marchés publics qu'elle réalise. Les séminaires de formation organisés pour des organisations qui en sollicitent, l'information des journalistes sur le sujet, les rencontres de sensibilisation auprès des organisations de la société civile, les concours universitaires sont autant d'initiatives louables qu'il faut poursuivre. C'est le moment pour moi d'adresser mes félicitations aux trois lauréats du prix Joseph-François Robert Marcello, lesquels ont fait preuve de mérite et de dépassement. J'espère que tout au cours de leur carrière, ils continuent par leur rectitude, par leur honnêteté, par leur courage à honorer ce grand serviteur de l'État. Mes félicitations vont également aux quatre employés de toute catégorie de la CNMP qui vont être honorés aujourd'hui pour la qualité de leur service. Le prix Jean-Baptiste Hulzer-Adolphe est une belle récompense qu'il mérite bien. Je suis en faveur d'une administration publique où la méritocratie s'érige en règle cardinale. Je m'attends à ce que d'autres fonctionnaires suivent l'exemple de ceux qui sont aujourd'hui à l'honneur et contribuent à continuer à faire de la CNMP une institution modèle pour l'ensemble de l'administration publique. S'assurer que les marchés publics soient passés dans les règles de l'art, collaborer avec les CNMP, CSMP, en impliquant les CDMP, associer la société civile aux actions liées au secteur, publiciser les marchés publics, rendre compte des réalisations sont des actes liés à l'exercice du pouvoir conféré à la CNMP. Je crois que je peux affirmer que la CNMP s'acquitte bien des quatre tâches qui lui sont assignées. Un modèle à répliquer, c'est bien ce qu'est la CNMP, à qui je souhaite longue vie. Je vous rappellerai en parenthèse que la COVID est présente et qu'il faut la combattre et qu'il faut surtout se faire vacciner. Je ne saurais terminer mon propos sans vous donner l'assurance que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger n'interférera pas dans le travail de la CNMP. Le gouvernement tiendra compte de ses recommandations et acceptera ses décisions. Même en période d'urgence, je veillerai à ce que les procédures soient respectées. J'attends aussi que l'institution travaille, elle aussi, avec célérité et ne constitue en aucune manière un frein ralentissant l'action gouvernementale. Je dis bonne fête à toute l'équipe qui, cependant, ne doit pas dormir sur ses lauriers, mais doit continuer à aller de l'avant. C'était Premier ministre Ariel Henry.
Mais si vous-même qui t'a écouté nous, n'a dit ou pas oublier abonner à chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. N'a mis quoi avec ou depuis Haïti, c'était Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous pour un autre jour. Bye bye tout.